prendre qu'un point. À la base, il y en a trois à prendre. Après, c'était un match serré. Paris a très bien joué, on s'est battu, je pense, jusqu'au bout. On a eu des petits moments, des petites baisses de physique peut-être, d'intensité, de lucidité. Et ils ont su en profiter, donc bravo à elle. On a pas mal souffert sur les deux premiers sets, on a pratiquement subi le jeu. Et en face, tout ce qu'elles ont entrepris, elles ont réussi. Donc on était vraiment en difficulté avec une pesteuse qui est quand même difficile à lire. Thank you.
Alors, premier set, pour le visage du monde, on va faire le temps du match. Allez, les filles! À fond, elles nous ont pas du tout laissé le temps de jouer. Puis après, quand elles ont commencé un peu fatiguées, je pense, on est revenu tranquillement dans le match et puis on a puisé dans nos ressources. Voilà, c'est ça. Non, qu'est-ce que t'en dis? J'aime bien quand même. Derniers sets. Du coup, on était un peu mieux organisé en bloc défense et encore une fois, c'est vraiment l'envie des filles d'aller chercher chaque point puisqu'on était tellement en difficulté pendant les deux premiers sets qu'on pouvait très vite lâcher au troisième et qu'elles ont eu les ressources nécessaires pour se battre. Clarisse! Clarisse!
c'est vrai qu'on fait une deuxième partie de saison qui est beaucoup plus favorable pour nous, parce que la première, on était tellement en difficulté. On a perdu 7 matchs, 3-0, avec 12 ou 13 sets, avec un écart de 2-3 points. Et c'est vrai que là, les filles, elles ont grandi aussi dans la tête. Et on a la possibilité de faire quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque match, on donne le meilleur de nous-mêmes à 100%. Et puis après, on verra quelle place on va prendre après la dernière journée du championnat. On a passé une superbe soirée, comme toujours. On sait que vous faites un travail extraordinaire. Alors tout à l'heure, j'ai été voir les filles, comme je fais à la fin des matchs, puis j'ai été les embrasser, et j'ai vu qu'elles avaient vraiment le moral dans les chaussettes. Et ça, vraiment, quand elles vont rentrer, il faut vraiment qu'on leur dise et qu'on leur exprime tout le bien qu'on pense d'elles, tout le travail qu'elles font, tous ces matchs, tous ces moments où on a vraiment vibré. Là, je vais vraiment demander à tout le monde que quand elles arrivent, on leur fait, on dit rien, laissez-les, et puis on leur fait une grande fête quand même. Hein. Voilà, c'est ça qui est important. Et n'oubliez pas le staff. Le staff, il fait un gros travail. Bien sûr, Thierry qui cette année a pu montrer à tout le monde qu'il avait de grandes qualités, de grosses qualités, mais il y a aussi Ludo. Hein, qui est son adjoint, qui est là et qui a réussi à faire sa place aussi. Et puis tout le staff médical qui fait un boulot extraordinaire. Les partenaires, écoutez, on relève des challenges. On va relever peut-être celui d'aller chercher cette quatrième place. Moi, je voudrais en donner un challenge pour les partenaires privés pour l'année prochaine. Voilà. Il faut qu'on arrive à avoir encore un peu plus au niveau du budget. Donc le challenge, ça va être, pour ceux qui peuvent donner un peu plus, de donner un peu plus. Ne dis rien, Polo. Je vous donne un autre challenge, c'est que chacun d'entre vous arrive à amener un nouveau partenaire. Ça serait un super challenge. Voilà, que tous, chacun, vous disiez à quelqu'un, à un ami, un client, un fournisseur, viens voir, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Tu vas voir des filles qui se battent, tu vas voir du sport, tu vas voir quelque chose de fabuleux, tu vas avoir un peu mal au cœur par moment, mais viens, et puis donne un coup de main à ce club, ça serait formidable. Donc là, je compte sur vous. Voilà. Ne vous applaudissez pas, là. On vous félicite pour tout le travail que vous faites. Hein. C'est vrai qu'à la CPA, tu sais, on a commencé à défendre, hein, parce qu'il faut récupérer des subventions, il faut continuer à avancer. J'ai défendu l'idée, quand même, qu'à Venel, on a quelque chose d'extraordinaire avec toutes ces associations. On a un lien social fantastique. On a plus d'une centaine d'associations. Et on a plus de 10 000 adhérents dans ces associations. Et j'ai soutenu l'idée quand même que tout ça, c'est un peu grâce à toi, un peu grâce à vous, parce que je pense qu'il faut une locomotive. Il y a un débat important entre effectivement le sport de haut niveau, comme on l'appelle maintenant, et puis le sport un peu plus de masse. Mais je crois que maintenant, chacun a bien compris l'importance du travail que tu fais, parce que c'est avec l'exemple. C'est avec l'exemple que tu donnes, c'est avec l'exemple que ce club donne qu'on arrive à inciter aussi les jeunes à suivre. Donc c'est très important. Je crois que maintenant tout le monde est convaincu, et je suis sûr que le 28 mars on n'aura pas de problème pour continuer à t'aider, à vous aider, et puis j'espère qu'on va continuer à avancer, parce que il n'y a pas de raison, on ne va pas s'arrêter là, hein, on ne va pas se contenter d'une place de quatrième quand même. Bien, hein, hein, qu'est-ce qu'on passe, Bernard, hein, hein, devant, il reste encore 3 places à gagner. Hein.
Ah mais bravo, merci. Allez-y, allez-y, rentrez, rentrez les filles. Rentrez, rentrez. Allez, allez, allez. Bravo. Bravo. Voilà une partie des bénévoles que je voulais mettre en valeur tout à l'heure. Voilà. Les bénévoles qui sont venus pour un travail magnifique. Voilà le coach. Allez, applaudissez-le. Il le mérite, il le mérite. Il le mérite. Voilà, c'est lui. Voilà Stéphane qui est le dos qui est là. Moi, ce que je leur ai dit, c'est qu'on est tous fiers de cette équipe. Voilà. On est très fiers de cette équipe, tous les partenaires sont là. Bien sûr, je sais que tu voulais leur offrir la victoire et qu'elle voulait leur offrir la victoire. Mais vous êtes bien battus, vous faites une belle saison. On est très fiers de vous, vous avez fait un travail magnifique. Je sais que c'est dur, tu n'aimes pas qu'on parle comme ça les soirs de défaite, je le sais. Mais c'est ce que tout le monde pense, voilà. On avait un objectif de jouer les playoffs 5-8. On rêve de jouer cette quatrième place. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas perdue. On va aller gagner à Nantes. Et puis, si on gagne à Nantes, tout est possible. Allez, Bonnel. On vous remercie tous pour le soutien pendant les matchs cette année, parce que c'est vraiment beau. Il y a une super salle, une super ambiance. Et même si ce soir on a perdu, ça nous aide à jamais lâcher et à travailler dur les semaines pour vous apporter des victoires, pour nous apporter des victoires. Et si on a fait tous ces résultats cette année, c'est aussi grâce aux gens extérieurs qui nous soutiennent et qui nous encouragent. Donc merci beaucoup de la part de toute l'équipe. Même si la saison est loin d'être finie finalement, merci à vous les filles parce que je prends un énorme plaisir avec vous. Et puis merci à Ludo, merci à Jean-Pierre et à Steph parce que c'est pas toujours évident. Et que ben voilà, d'avoir leur soutien, d'avoir des filles aussi qui s'investissent autant. Même si aujourd'hui on perd, moi j'ai vu des belles choses, j'ai vu des belles joueuses et un beau comportement dans le terrain et ça me donne juste envie de repartir lundi, de rebosser comme un malade avec les filles et voilà, et de continuer l'aventure parce qu'elle est belle. Voilà, merci à vous. Voilà, j'ai trop parlé donc je vais arrêter. On va manger. Allez, le buffet est ouvert. Voilà.